עליכם, עם די לא רב, היו חתנים שחשבו, אני לא צריך להדרכה זו, יש לי מידות טובות, ואני לומד מוסר ואצליח בנישואים. וכיוון שאני מצליח מחבריי, ודאי שאצליח גם עם אשתי. די רב, יונה דה ז'אן חתנים, דנובו מריה, איסא דיס, מואי פאבר זוהה, הוא יונה כי... Une semaine, deux semaines avant le mariage, j'ai commencé. Ah là, on va prendre un rave, on va lui payer de l'argent. Sauf, sauf c'est beaucoup, c'est c'est des perles qui ce qui me dit, d'accord. Mais il y en a qui disent que je j'ai pas besoin de tout cela. J'apprends à la rote, que c'est obligé d'apprendre la rote. Il dit en fin de compte, écoute, moi je suis, je suis bien dans ma demande dans dans mes midotes. Je sais qu'est-ce que c'est une femme. J'étudie le moussa. C'est sûr que je vais réussir dans mon mariage. Et où, par exemple, il va dire, moi, écoute, moi, je suis avec mes amis, tout le monde m'aime. Où je vais C'est sûr et certain que je vais réussir avec ma femme. Après le mariage... Alors, il a vu le bonhomme, il comprend que. Comment on dit en français Fiasco Fiasco. Mais il paraît que ça. Il dit que les mots, le rabe c'est des mots que c'est très, très dur. Naflo sont tombés. Les bira amikta, dans un trou très profond. Ça veut dire que, si c'est un trou, d'accord, tu peux grimper. Ah ben, des fois, c'est un trou que même avec une corde, tu ne peux pas sortir de là-bas. Il faut emmener les pompiers et faut. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu sors de ce trou là avec des mérivotes, des disputes jusqu'après chez Ischmor ça peut arriver maintenant un divorce les autres qui chez elles, et comme il y en a quelqu'un qui m'a dit il dit, ah, rallons, m'a dit, c'est alors ma il y a une autre et il y a une autre c'est passé là, là, il y a une autre il faut savoir le premier zivouk c'est le sacrage beaucoup qui t'a donné tu changes comme il y a quelqu'un, une fois qu'il est venu vers le Rav Kanievski. Il a dit, quoi d'arab Prie pour moi que Zibo, Zibo Gagon. Regard, il regarde, il lui dit, j'ai raté le train. Il dit quoi Quoi d'arab J'ai raté le train. Il était là. Tu étais là. Il est, elle est partie Pourquoi Parce que Tu n'as pas voulu. Tant Zivou, que était là. Des fois, tu dis non, il faut prier que quand c'est elle, que ton, ton, ton cœur, il accepte. Parce que des fois, elle passe. Tu fais shalom. <laughs> elle passe. Quand le train, il est passé. Vous connaissez quand les gens. Elle n'est plus là. Et il faut savoir, ça ne s'arrête pas de là. Les gens, ils croient que quand c'est bon, alors il y a une autre. Ces enfants que toi, tu vas avoir que tu devais avoir avec elle, les enfants que tu devais avoir avec elle, que c'est tes enfants. Il faut savoir que chaque homme, il a ses enfants à lui de l'arbre comment comment quoi, la Cro généalogique. généalogique. Un arbre c'est pas un ciah, mais c'est un un arbuste. C'est un arbre. Et l'arbre il y a un tronc, il y a des racines. Et toi, ta descendance et des guigoulimes avant, avant, que tes enfants, des fois, l'enfant qui doit venir, peut-être c'est ton grand-père. Peut-être c'est ton arrière-arrière-grand-père. Mais là, parce que tu as pris une note que c'est pas elle, peut-être c'est qui C'est un autre. Bon, c'est merci, me on brûle l'âme. Quand même, c'est beau. Merci. Tu fais un petit coup maintenant pour les enfants. Aval. C'est dommage. Même la Torah elle dit, elle parle comme ça. La Torah elle dit ça. Er et Onan, les enfants de Yehuda, Er il est décédé. Parce qu'il s'est mal comporté. Maintenant, Onan, il doit faire l'hébou maintenant pour, euh, avec Tamar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a compris que le premier enfant, c'est pas à lui. Enfin, c'est pas à lui. Il, il est avec Tamar, non Il y a un enfant de lui, il y a union avec Tamar. Alors, c'est l'enfant de qui, si c'est pas à lui La nechama, c'est pas à lui. C'est à qui C'est à son frère. Parce que lui, il est décédé sans avoir des enfants. Alors, lui, il a compris que la nechama, c'est pas à lui, c'est à l'autre. Alors, elle dit, bon, il a fait la même faute que, le, que Ronan. Et Ronan, il a fait comme, comme R, la même faute. C'est pour ça que chez lui aussi, il est... on voit que la elle est. elle t'appartient à toi. Alors, si tu, vas, si tu te maries avec une autre, c'est dommage. Alors, on ne change pas des femmes comme on songe. On, on songe comment, comment Sangé des saucettes, des saucettes, j'ai mis Comme j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit tiens, un trou dans les saucettes, qu'est-ce que tu fais Ils me disent, maintenant, avant je cousais, maintenant on les jette. C'est comme ça qu'ils font aujourd'hui. Avant, quand il y avait une femme en face de toi, que tu la elle te respectait, toi tu la respectais aussi. Alors qu'est-ce que tu fais Tu arranges maintenant t'es midotes, elle elle arrange ses midotes, et bien, ça bon, parce que tu comprends que c'est elle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il y a une autre. Le bonhomme lui, il ne veut pas se travailler dans ce monde-là. Elle ne veut pas se travailler. Qu'est-ce qu'il croit Après le mariage, ils sont tombés. et Ils sont arrivés parmi nous. Et pourquoi tout cela Parce qu'ils n'ont pas de nisayon. Nisayon, c'est Ils n'ont pas de d'expérience. Expérience. Experience. La première expérience qu'on doit avoir avant le mariage, c'est quoi Apprendre la anava. Et aussi, apprendre la anava. Et aussi, apprendre la anava. Tu peux continuer jusqu'à demain matin. Ça, c'est le but du mariage. L'homme et la femme, pareil, parce que je parle pour les deux. Si un homme, lui, il a compris que ça commence là et ça se termine là, ça veut dire que si tu rentres dans un mariage, je suis là. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Qu'est-ce que moi, etc.? Ça veut dire que tu n'as rien compris. Ve'echar la asliar. Bahem. Parce que il faut savoir, comme il nous a dit déjà le Rav en haut, quelle est la matara du Nisourim? Quel est le but du mariage? Ve en a Haverud Ve Keshari Mishto Domim, la kecherim haberim, shizem alachum, a rash onim les gambe. Parce que l'amitié entre lui et sa femme, l'amitié et puis le, le kécher, kécher ça veut dire le, le lien entre lui et sa femme, c'est pas le même li lien, un lien et amitié entre lui et ses amis. En général, avec les amis, c'est Vas-y, C'est quart. donne-moi, prends. Ça veut dire, tirantable rentable ou n'es pas rentable. En général, c'est comme ça, c'est comme ça, un amitié. Même qu'en général, il y en a des gens qui disent, moi, Coréam, je, je, je suis avec lui. Coréam, on est des amis d'enfance, de, on a mangé de la même gamelle, on a, on a, etc., etc. Mais tu verras bien. Un petit truc que ça va exploser un jour. Mais la femme et l'homme, c'est pas pareil. Il faut que l'homme et la femme, ils comprennent que lui, c'est la deuxième moitié. Et même si maintenant il a reçu un coup, c'est-à-dire que l'autre côté il a reçu un coup, ça va lui faire mal maintenant à l'autre côté. Comme une fois, le rab Kanievski il a dit "Mon, J'ai mal au pied. Je dois maintenant me reposer. L'élève il a dit Bon, bon marche vous, euh, bon, vous marchez bien. Vous marchez bien, vous avez mal au pied Non, tu n'as pas compris

Étudier cela, comprendre cela, c'est sûr qu'il va trébucher. Il y a des choses qu'avec euh, le temps, tu apprends. Tu ne vas pas dire ce mot-là, parce que si tu dis que ce mot-là, ce mot ah ben, elle, elle va éclater, elle va s'énerver, elle va se vexer. Tu dis ta mère. Alors quand elle entend le mot ta mère, c'est fini. Tu viens là pendant toute la journée. Qu'est-ce que tu as dit Tu as dit ta mère, c'est tout, tu l'as dit. Tu n'as rien dit, toi. Alors, sauf, sauf. Elle, elle, a compris. Des années en arrière. Bon, Qu'est-ce que tu lui as dit avant, au début lui, il est bien n a n a n a. Un homme, il ne peut pas tenir dans le limou la Torah, seulement si maintenant il a il a échoué, il a échoué une fois. Et le problème, il est, est un homme, il a, il a échoué une fois, il fait la même erreur deux fois, même erreur, trois fois, et il n'apprend pas. Ça, c'est grave. Si maintenant, bah, oh, Hashem, tu apprends de la taout, de l'erreur que tu as faite, si maintenant il répète l'erreur, la même erreur, il n'apprend pas. C'est un c'est un, un, un mazo, on dit chez nous, comment on dit Un mazo Ça se dit, n'a Pourquoi Il est reçoit des coups. Arrête T'as Ne dis pas le mot que maintenant tu sais que tu vas la blesser. Et si tu fais exprès, sauf, sauf, vous savez. Il faut comprendre le comportement de l'homme, c'est comme un boomerang. Parce que c'est d'un boomerang C'est vrai qu'un boomerang. Tu le jettes comme ça et il revient. Tu l'as jeté fort, il va revenir très fort. Et si maintenant tu veux l'attraper, qu'est-ce qui se passe si maintenant tu l'as jeté très fort Hein Je ne sais pas si tu auras, tu, tu auras encore des doigts. Parce qu'avec la force que tu as jetée, tu peux te couper les doigts. Comme ça, c'est dans la vie. Tu jettes quelque chose, tu parles, tu te comportes d'une manière pas comme il faut. Ça revient. « mida keneged mida » Comme ça, dit dit keneged mida lo C'est vrai, on n'a pas la peine de mort aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le Sanhedrin. On n'a pas ça, et on n'a pas ça, et on n'a pas ça. « Aval »« Yesh midda keneged Akadosh baruch Il se comporte avec nous tous. Petit, moyen, grand. Midah, keneket Comme tu te comportes, Kodesh Bokhoui se comporte vers toi. Avec ta femme, tes enfants, etc., etc., tes parents. A Kodesh Bokhoui, il n'oublie pas Kodesh En shikhecha, c'est le Il n'y a pas l'oubli. En shikhecha. La Torah elle dit Vaïf Kod Hachem Etzara. Quelle est la, la traduction du mot Vaïf Kod Hachem Etzara Hein Qu'est-ce que ça veut dire, Yosef Vaïf Kod Hachem Etzara. On lui dit ça dans la Torah, nest Hashem pas Hein pas Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a donné un enfant. « Il HaShem Elle est devenue enceinte. C'est ça ?« ça veut dire « Pekida » C'est quoi hein? Traduction du mot « Pekida » C'est quoi ?« Zechira » C'est « souvenir ». Alors maintenant, tu peux venir avec cette phrase-là. Tu me dis, je te, te contredis. Hein ?« Il se souvient. Ça veut dire qu'il a oublié. Il a oublié Sarah. Du coup, ah, oui, je ne savais pas que Sarah elle était là. J'ai oublié que Sarah elle était là. Hein? Mais c'est faux. Le moment qu'il est arrivé, ça veut dire que la tfila de Sarah et de d'Abraham avec Sarah, suite à une action qui a été faite, quelle action qui a été faite que la soit disant il s'est rappelé de Sarah. Et de là, les chakramis disent, ⁇ Mais je vais l'al-chavero Ou Kodem, celui-là qui prie pour son prochain, ⁇ Lui, il a besoin de qu'est-ce que son prochain, il a besoin. Si tu pries pour ton prochain, toi, tu reçois le premier. Nous, on apprend ça. ⁇ Hachem, et etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Avimelech, il a pris Sarah. En premier, on lui a dit que c'est la sœur d'Abraham. Et en fin de compte, il voulait la toucher. L'ange, il est venu, etc. Quand il me dit dans son rêve, aussi après, il lui a dit ne la touche pas, sinon. Tous les, les, les bétails, tous les bétails et toutes les femmes qui étaient à la, à les, à, avec Avimelech, ils étaient tous. Bloqué pour plus avoir des enfants, etc. 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 Regardez le Midrashi. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a compris à Abimener que Sarah elle est mariée avec Abraham, quand il a dit à Abraham, va chez Abraham et tu verras que lui il va prier pour toi. Abraham il a prié pour lui. Puisqu'il a prié pour lui, alors lui, il a reçu okay. la réponse le premier. Et de là, les Chachaïm me disent Col, Mishimit, Palais, tout celui qui maintenant qui prie pour son prochain, et lui, il a besoin, une n'est-ce Et après, c'est écrit Hachem, Pakad et Sarah. Et là, il se sait rappeler. Il s'est se 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 rappelé, il se comment il rappelé à de, 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 de Sarah tout d'un coup Ah, hein? Sarah, où j'étais jusqu'à maintenant pourquoi tout cela? Parce que tu as prié pour ton prochain. Boum! D'accord, je me suis ah, dit, ah, top, maintenant je me rappelle de toi. Pourquoi ça, tu as un enfant? Qui, Avra Mida Keneged Mida.